Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Each week as you enter this timeless land, one of these many worlds will open to you. Frontierland. Tall tales and true from the legendary past. Tomorrowland. Promise of things to come. Adventureland. The wonder world of nature's own realm. Fantasyland. The happiest kingdom of them all. Presenting this week, the Disneyland Story. Donc commençons tout de suite ce premier chapitre, les attractions. L'immersion totale. Car ce qui fait la différence Disney, c'est que chaque attraction raconte une histoire de manière totalement immersive. Ce que nous souhaitons en créant ces lands immersifs, raconte Roger Gould, directeur créatif Pixar pour les parcs à thème, c'est plonger totalement nos visiteurs dans les univers de nos films. Nos rêves les plus fous deviennent ainsi réalité. Un peu comme lorsque le héros de ciné magique entre à l'intérieur de l'écran. C'est tout l'art des Imagineers de créer à travers leur talent artistique, scénario, design, sculpture, musique et leur innovation technologique. Soit système audio synchronisé, projection 3D sur écran géant, système de guidage de véhicules sans rail, parcours aléatoire, effets sensoriels, animation live, etc. Une expérience totale. À Disneyland Paris, on peut aussi bien remonter le temps à bord de Main Street BX, voyager à travers une galaxie très très lointaine dans le Star Tour, l'aventure continue, ou bien plonger dans la quatrième dimension grâce à The Twilight Zone Tower of Terror. Des attractions pour tous. Avec ses 59 attractions réparties au sein des deux parcs à thème, Disneyland Paris a su décliner cette immersion à travers tous les types d'expériences, offrant par là une diversité proprement unique. Manège traditionnel comme le carrousel de Lancelot, ou Cars 4 roues rallye. Promenade et exposition comme Alice Curious Labyrinthe, ou Studio Tram Tour, Being the Magic, parcours scénique, Dark Ride, comme Peter Pan Flight, croisière comme It's a Small World ou Pirates des Caraïbes, les montagnes russes comme Space Mountain Mission 2 ou Rock'n'Roller Coaster, Aerosmith, cinéma comme Cinémagique ou encore Simulator comme Star Tour, l'aventure continue, complètement repensée à l'occasion du 25e anniversaire de Disneyland. Entre rêve et réalité, les secrets de la magie. La magie des attractions de Disneyland Paris, c'est de vous faire croire, l'espace d'un instant, à l'univers que vous êtes en train de visiter. Parce qu'ici, c'est vous le héros. C'était le désir de Walt Disney qui, dès l'ouverture de Disneyland en Californie en 1955, avait imaginé l'attraction Snow White, Un air aventure, dans laquelle les visiteurs revivaient l'histoire du film à travers les yeux de Blanche-Neige. Pour les Imagineers, les concepteurs des parcs Disney, tous les moyens sont bons pour faire de vous le héros. Des environnements plus vrais que nature grâce à des éléments de décoration authentiques, comme sur Main Street USA ou à l'intérieur de The Twilight Zone Tower of Terror. Des effets physiques saisissants, comme les flammes qui envahissent la station spatiale Mir dans Armageddon, les effets spéciaux. Un sens aigu de la mise en scène grâce à des véhicules, les Omnimovers, qui orientent la vision du visiteur comme la caméra d'un réalisateur dans Phantom Manor ou encore Buzz l'éclair. Des illusions d'optique façon Phantom de Paper comme dans les voyages de Pinocchio et Phantom Manor. Ou encore des projections 4K et des effets 3D comme dans Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi et Star Tour, l'aventure continue.
Héritage direct de l'animation, les audio-animatronics poussent encore plus loin l'illusion de la vie. Des créatures high-tech inventées par les Imagineers. Et aussi l'occasion de proposer pour la première fois dans le parc parisien des attractions à sensations fortes comme Indiana Jones et le Temple du Péril et Space Mountain de la Terre à la Lune. 2002 est l'année de la plus grande expansion avec l'ouverture d'un second parc dédié à la magie et aux coulisses du cinéma. C'est le parc Walt Disney Studios dont l'extension amorcée en 2007 avec Toon Studio, puis en 2008 avec Hollywood Boulevard et The Twilight Zone, Tower of Terror, culmine en 2014 avec l'ouverture de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de rien.